D'apprendre auprès de vous. Parce qu'on sait que beaucoup d'enfants aujourd'hui ne connaissent pas d'où ils viennent, où ils vont. Donc il y a un questionnement qui concerne le socio-culturel et le questionnement concerne également l'environnement social, politique dans lequel l'enfant vit. Ils vont partager ces documents avec vous et nous allons faire le suivi. Comme dans le parcours de. Pendant la semaine prochaine, nous allons venir rendre visite à nos jeunes là-bas. En fait, c'est une espèce d'école qui continue à la maison. Et vous allez aussi nous dire s'ils ont changé entre temps, s'ils se sont améliorés dans les comportements. Donc, c'est un peu ça. On veut une cohésion. Nous sommes les parents au centre, ils ont les tuteurs au centre. Et les tuteurs sont un peu comme vous ici. Donc, nous devons échanger. Ça ne sert à rien de cacher des informations parce que ça ne va pas nous arranger. Alors, ils seront donc ici en NSP, en famille. Et après, ils reviendront au centre 2 semaines plus tard pour qu'on déroule toute cette thématique en rose. Tout ce qui est en rose, ce sont les thématiques que nous allons dérouler au centre. Ce qui est en vert, c'est ce qu'ils vont aller faire chez vous, à la maison ou chez le référent. Et ça s'étale sur 2 ans. Et à la fin, donc, ils ont un stage de 2 mois de caractérisation qu'ils vont faire. Ils ont également des évaluations écrites sur table. Ils vont réaliser les évaluations écrites sur table selon les capacités visées. Il y a des évaluations aussi en cours de formation pendant une certaine période à partir de la 2e séquence à la 4e séquence. Donc il y a des évaluations en cours de formation qui se réalisent chez le référent. C'est un peu comme la directrice disait, on ne néglige pas le cours formateur que le référent. L'enfant n'a pas le droit d'aller dire la maison du référent là, que la couche, c'est stable, il doit juste aller apprendre le geste de la couche. Et c'est ces référents-là qui l'évaluent sur le terrain et nous, l'accompagnant. Et à la fin, l'évaluation ici, c'est au centre. Et ceci, c'est sur le terrain. Donc voilà à peu près ce qu'on fait ici au centre. Et il y a également l'élaboration de la phase diagnostique et l'élaboration du projet. Donc ils ont un projet qui conduit pendant les 2 ans. À la fin, ils rédigent leur document projet. Maintenant, pour mieux les appuyer dans la rédaction, il y a la phase de la formation dans les cœurs de projet que le centre organisera encore avant qu'ils n'aillent devant la commission territoriale pour soutenir leur projet d'abord. Et ensuite, si le projet est validé, le projet va à la commission financière depuis le 1er juin. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Je viens de ces questions. C'est la commission financière qui est censée donner les subventions. Oui, oui. Et quels sont les critères pour subventionner? Qu'est-ce qu'il faut? Pour être subventionné, il faut déjà passer ces 2 ans de formation, avoir son attestation de réussite, valider toutes ses capacités d'abord, et ensuite avoir son document projet validé par la commission territoriale. La commission financière siège pour vérifier en termes de chiffres si le projet est bancable. S'il est bancable, donc, il est financé. Financé par l'argent en espèces ou bien par les matériels? En fait, le jeune, un compte est ouvert au nom du jeune, le jeune ouvre son compte. Puisqu'on leur apprend aussi à gérer ici, il y a des capacités de gestion ici. On les apprend à gérer. Il ouvre son propre compte à lui et l'argent est versé dans son compte. Maintenant, en termes de réalisation, il est aidé par le conseiller en insertion. Merci. Nous avons beaucoup de modalités. Compte tenu du fait que les niveaux sont un peu disparates, parce qu'on dit niveau 7, post-primaire, il y en a qui viennent vraiment avec le seul. Il y en a qui, qui ont même la licence ici. Ça veut dire qu'à un moment, on doit adapter l'animation en fonction du niveau des apprenants. Il y a des moments où on les met en groupe de production d'abord. Si on veut par exemple dérouler sur une thématique comme les outils mathématiques, on les met en groupe de production parce qu'on sait que le jeune en venant ici n'est pas un tonneau vide. Il vient avec de prérequis et parfois même des préacquis en termes de technique. Donc nous utilisons ce qu'il a dans sa tête. On le suscite à sortir d'abord ce qu'il a dans la tête et puis nous faisons ce qu'on appelle le prolongement. Donc ils prennent des cours. Thank you.
caméraman. Seulement que la roue a un petit défaut. Et si vous passez les commandes, nous allons pour finir ce travail. Je vous remercie. Merci à vous, chers parents, chers artageurs. Déjà, je vous remercie pour tout le monde qui est là. Ici, la promotion insiste. Mon ami, on peut goûter les choses. Réalise et réalisera beaucoup de choses. Y compris cette hôte que j'ai à ma main. Ceci, nous la savons, nous savons tous que la hôte est un moyen de transport pour les jeunes exploitants. Pour celui qui est au début, qui veut évoluer sans argent, rien, il peut se servir de ça. Cette hôte a été réalisée en moins de 5 heures de temps, en une journée. Alors, cette hôte porte en même temps, elle peut porter le bois, les ignames, le planteur, le maïs, le riz. Généralement, dans nos langues, nous sommes des petits, nous l'appelons un corps, un couille. Donc, elle a une durée, vraiment, comme vous voyez, elle peut aller à 3 ans, à 5 ans, la bonne manière qu'on utilise. Merci, je vous remercie. Ça, c'est un damier, comme vous voyez. Merci, camarade. Et aux autorités, ici à la Chazade, le projet PCP Arfond, non seulement l'élevage et l'agriculture, il forme aussi les jeunes à faire l'infrastructure en matériaux provisoires. Parce qu'on se dit au village, on met les moyens que AFOP donne aux jeunes pour son projet. Ça ne lui permet pas de payer un matériau pour construire les maisons en dur. Alors, AFOP nous forme aussi à l'infrastructure pour amortir nos dépenses. C'est pour ça que nous avons fait cette maquette faite en terre. Alors, comment ça se passe? On étudie la terre, on voit si la terre est bien pour les blocs dont nous avons besoin. Alors, on tamise la terre. Si pour avoir les blocs solides, on mélange avec du ciment. Ça dépend de la tendance et ce que nous voulons réaliser. Ça, c'est la référence Benifa qui produit Canescao, croustille africaine régénératrice enrichie au sésame et au cacao. C'est un produit 100% camerounais qui vitalise le cerveau et est un ami du cœur et de la prostate. Bonjour, chers invités. Nous, on représente ceux qui sont coachés en fait par Benifa. Et là, nous faisons dans les jus. Nous sommes la coopérative simplifiée MKB. Nous faisons dans les jus. Et ces jus sont en fait très importants pour la santé. Ils ont une longue durée de conservation. Déjà étant pasteurisés, vous pouvez les conserver pendant longtemps. Et la conservation est assez facile. Parce que vous pouvez les garder à froid ou un peu à chaud. Ça ne dérange pas. Donc, c'est un peu ça. Merci. Là, nous avons le cassement là, et l'ananas. Ici, nous avons l'ananas naturel. Donc, on a plusieurs fruits sur lesquels nous travaillons. Là, ils sont juste
quelques éléments que nous avons voulu vous présenter. Merci. En fait, nous servons dans les gobelets. Si quelqu'un veut prendre le bidon, il veut passer la parole à la personne. La parole, lui, moi, c'est votre fils, Aïssé et Patrick Lambi. Le point que je m'en vais vous faire suivre, c'est une inspiration. Dans les jours, les deux semaines que nous avons passé ici au centre, parce que déjà, arrivé ici, il y a le deuxième couplet de l'hymne que on ne connaissait pas. Et c'est ici qu'on a appris. Et si vous m'écoutez attentivement, vous allez comprendre vraiment l'importance de cet apprentissage qu'on a eu là pendant ces deux semaines-là. Je me lance donc. Comme je le disais tantôt, le titre, c'est un moyen sûr pour mon Eldorado. Voilà la plus belle et fidèle des mères. L'élément renfermant les mystères les plus secrets. Nos ancêtres ont payé de leur âme pour te défendre en leur air. Ils avaient tout compris. Bon, bonjour la plus belle. Comment tu vas? Comment ça? La femme. Volume. Avant de commencer, j'apprécie la beauté physique, ma chérie. Moi, je suis commerçant. Et ça fait longtemps que je vous aperçois ta vie. La beauté, ta matière. Je suis commerçant, je fais beaucoup d'argent. Du tout chaud, du vent, du chaud qui sort du champ, du feu et du coup. Comme tu peux voir, je vais juste utiliser. Je veux savoir quelle activité vous faites dans les ventes, en ligne, bien. Je fais dans les ventes, les vivres frères, et quand même aussi les... Enchanté. Moi, c'est un ancien, sans juste de l'école comme ça. Et je cherche une épouse avec laquelle je peux faire ma vie. Donc, je n'ai pas de pour perdre le temps, j'ai une fille sérieuse. Enseignante d'université ou bien de lycée? Non, enseignant de lycée et collège. Votre tâche salariale? En tout cas, je suis de la fonction publique de catégorie A. Donc, il y a un professeur de la catégorie A. Zéro bras. Moi, c'est Zachary Sandrine. Je suis ingénieur de travaux publics au niveau de l'Euratel, la société. Je vois une jolie femme comme dans le bâtiment. Bâtiment solide. Donc, je compte faire de vous ma femme si vous le désirez bien. Je voudrais savoir si vous êtes implanté dans le privé, dans le public ou le parapublic. C'est le privé et le parapublic aussi. En fait, moi, c'est des Marseille. Je suis le nom de père. Actuellement, je suis à la recherche pour un partenariat. Si vous êtes d'accord, vous me permettrez de m'accepter au micro, je peux changer de vie. J'ai des actions un peu partout dans le monde, donc j'aimerais bien évidemment de vous permettre de vous épouser. Vous aviez quoi comme garantie? J'ai des immobiliers partout dans le monde entier. Au pays, j'ai voyagé. Raison pour laquelle je me dis, si vous me permettez de vous écouter, je pourrais changer votre vie. Mais bonjour, la beauté bio. Wow. Je me nomme Ebabé Joseph Raymond. Ça a fait ça en une vidéo. Vous permettez, je peux. Merci. Oui, Zavery, à vous voir, le profil, il est tellement. J'admire beaucoup votre profil. Et je vois en vous une fille bio, parce que je fais beaucoup dans les exploitations agricoles. Je joue beaucoup avec tout ce qui est naturel.
je prouve à vous une fille pleine naturelle. Accompagnons déjà le jeune pendant les 2 ans de formation dans le montage de son projet socio-professionnel. Ça veut dire qu'en tant que conseiller d'insertion, j'ai tout un module que j'ai déroulé en 2 ans. Après cette phase de conception et de montage du projet, les moniteurs pédagogues feront également l'accompagnement à la rédaction du projet. Il est à noter que chaque projet est individuel. Après dans cette phase, le moniteur conseiller d'insertion va procéder à la finalisation du projet, ça veut dire par la correction de la forme et du fond du projet. Après cette épreuve-là, nous allons procéder à la construction du dossier et nous allons préparer les jeunes à présenter leurs différents projets devant une commission territoriale qui se tient toujours ici à la Chazal. Alors, pour le cas d'espèce, ils sont au nombre de 22 projets déjà finalisés sur 47. Alors, d'ici un mois, on va appeler ces jeunes-là pour venir soumettre leur projet devant la commission territoriale. Après ce passage, il y a une phase d'amendement. Après la phase d'amendement, les projets repartent au niveau de la zone pour la commission financière. Là-bas, ce sont les banquiers, c'est le cash flow. Vous dites, est-ce qu'il y a, au niveau du revenu agricole, est-ce qu'il y a croissance? Parce qu'on ne finance pas les projets qui sont décroissants, c'est-à-dire au niveau du revenu agricole. Après cette phase-là, il y a toujours des amendements. Après ces amendements, on procède à l'ouverture des comptes des jeunes qui sont conseillés, c'est-à-dire le jeune, la directrice du centre de formation et le conseiller que je suis. Après la phase d'ouverture du compte, on envoie les RIB, les relevés d'identité bancaire au niveau de la zone, pour l'approvisionnement des comptes. À ce jour, nous avons déjà eu 72 personnes qui sont passées dans les commissions territoriales. On a déjà tenu 7 commissions territoriales. Sur les 72 personnes, nous avons 50 femmes et 22 hommes. Donc, si on fait juste une petite addition simplifiée, 72 personnes fois 1,5 million, on a déjà eu 108 millions dans le compte pour gérer l'insertion, la mise en œuvre des projets de jeunes. Et c'est effectif. Nous finançons les projets système, c'est-à-dire quoi? Composé d'une part d'un système de culture et d'une autre part d'un système d'élevage. On ne finance pas un projet d'une seule composante. Si vous avez suivi le mot d'ouverture et d'accueil de Madame la directrice, imaginez-vous qu'on finance uniquement quelqu'un qui fait dans les livrages et que vienne la grippe aviaire. Qu'est-ce qui va se passer? L'exploitation va tomber. Alors, nous finançons des projets système, c'est-à-dire composés d'une part d'un système de culture et d'une autre part d'un système de livrage. Alors, nous avons financé, je parlerai un peu des corps de projet. Poulet de chèvre, des petits ruminants, des élevages de porcs. En termes de système de culture, nous avons le manioc, le cacao, le bananier plantain et d'autres cultures.
On n'impose pas un jeune un type de culture, non. Lui-même dit. Ça veut dire que pendant les 2 ans, on vous l'a présenté lors de la présentation du plan stratégique de formation. On va quitter de l'idée du projet à la maturation de l'idée du projet vers l'élaboration de son projet. Alors, en attendant que qu'on fasse une projection, c'est ce que je voulais vous dire, et surtout aux parents de ceux qui vont recevoir les attestations. Parce que vous voyez, nous avons 47, 22 personnes sont déjà venues pour l'accompagnement à la finalisation de notre projet. Alors, vous voyez, on a un gap. Où sont-ils? On ne les voit pas. Et dès que la machine va se mettre en place, on ne saura quoi faire de ceux qui sont en train de retarder. Alors, merci. Et s'il y aura des questions, ça se fera à la dehors. Une fois de plus, bonjour chers parents. Bonjour chers jeunes en cours d'insertion. Alors, permettez-moi de vous présenter en quelques mots le service de l'insertion de la Chazard. En tant que conseiller d'insertion, jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la remise des attestations d'une promotion qui a déjà terminé. Ça veut dire quoi? Comment on est éligible? À la sortie d'une formation, on valide toutes les capacités. Vous avez donc une attestation. Ça fait. Thank you.
nous nous appelons Noah Christie. Noah Christie, votre parchemin sera remis par monsieur le délégué d'arrondissement Minepia. Merci beaucoup. Nous appelons Messina Afobo. Messina Afombo. Merci beaucoup. Votre parchemin sera remis par la représentante de la promotrice. Empêchée. Madame Edith. Nous appelons Madame Tondue Kaina. Votre parchemin sera remis par le représentant du MINJEC. Désolé, nous allons appeler Madame la directrice. Dans la région du centre, il y a 15 centres de formation. Il y a également 9 écoles de formation. Donc, monsieur, madame la directrice, elle n'est pas là. Comment avez-vous fait pour intégrer cette école? J'ai intégré cette école grâce au concours qu'on a été grâce au concours qu'on a été lancé. Et vous avez reçu ce concours, ça fait combien d'années que vous êtes ici en formation? Après l'obtention du concours, j'ai fait 2 ans de formation. Qu'est-ce que vous avez étudié durant ces 2 formations et dans quelles circonstances? Durant cette formation, j'ai appris à faire plusieurs cultures telles que la tomate, la pastèque, le piment, le concombre, le poivron. Comment se faisait cet apprentissage? Était-ce par cours? Était-ce vous allez chez les référents? Était-ce dans la pratique? On partait chez les référents. Dès le retour de chez les référents, arrivé à l'école, on faisait les évaluations pour démontrer ce que nous avons appris chez différents quand nous partons vers nos communautés. Pour sortir de cette école, il faut produire une espèce de mémoire ou bien un plan pour votre production personnelle ou bien un projet. Quel a été votre projet? Avant la sortie de cette formation, on élabore un projet ça dépend de chaque apprenant. Soit tu prends
tu fais ton projet soit sur la pastèque, le piment, le condiment. Et ça dépend aussi du nombre de temps que ça doit faire. Mais ça doit être consommé pour être récolté. Êtes-vous fier de votre projet? Mon projet est basé sur la pastèque au poulet de chien. Quel est le mot ou message que vous pouvez transmettre aux autres jeunes? Le message que je dois transmettre aux autres jeunes, c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas dormir, d'être. À l'affût des opportunités. D'avoir l'opportunité de faire un métier qui va rapporter demain. Je vous remercie. Voilà, animé un peu pourquoi vos parents voient comment on danse à la chasse d'un fou.